Anishinaabe. Ho. La grande rivière. De nos jours, plus d'un million de gens habitent les rives de ce magnifique cours d'eau qui prend sa source au-delà du Témiscamingue. La Kitchissippie a joué un rôle majeur dans notre histoire et les Français lui ont donné un surnom bien curieux, la rivière des Outaouais. Si vous saviez... Nos amis les Outaouais n'ont jamais vécu ici, dans cette région qui porte pourtant leur nom. Le territoire d'origine des Outaouais, c'est la région de Sault-Sainte-Marie, à 800 km d'Ottawa. Que l'école propage avec fierté, ici, on habite sur les rives de la Kitchissippie. C'est la grande rivière de mon peuple algonquin, les Anishinaabe, de notre vrai nom. Anishinaabe, ça veut dire les vraies personnes. Voilà plus de 400 ans, c'est mon peuple qui a guidé, qui a accueilli à bras ouverts, qui a nourri, guéri et même sauvé les premiers Français qui sont aventurés par ici. Je me nomme Julie et depuis que je suis toute petite, ma Kokomanae, ou bien ma grand-mère comme vous dites, elle m'a conté toutes sortes d'histoires à propos de plein de personnages qui ont voyagé sur notre grande rivière. Elle me parle souvent des rapides qui bouillonnaient juste derrière chez elle, le fameux Lonceau. Juste de l'autre côté de la rivière, mon grand-père Yves, qui est un passionné d'histoire, me répète depuis toujours qu'un marchand de fourrure nommé Blondeau se serait noyé dans une chute. D'où le nom de son village, Chute à Blondeau. Tous deux m'ont aussi appris qu'il y a eu ici même une grande bataille où 17 mousquetaires français et des centaines de guerriers autochtones sont morts parce que leur chef n'avait pas réussi à se comprendre. C'est le triste combat du Lonceau. Aujourd'hui, tout le Lonceau est disparu sous l'eau à cause du barrage hydroélectrique de Carillon qui a fait monter l'eau de la rivière. On serait porté à croire que notre propre histoire y a été engloutie, même oubliée. Kwe kwe, bienvenue chez nous, les Anishinaabe. Bienvenue au royaume des gens vrais. Moi, je m'appelle Kundera. Dans ma famille, on est Acadien puis Canadien français du côté de ma mère, puis Africain du côté de mon père. Ma mère a même inventé des recettes de fricots foufous puis des beignets au sirop d'érable que mon père a vendu à son café à Ottawa. Depuis que je suis haut comme trois pommes, mon grand-père Bernard, il me fait rêver avec ses dessins puis ses peintures. Il vit à Rockland, pas loin de chez nous. Son atelier, c'est mon endroit préféré. C'est là que mon pépère Bernard m'a raconté mille et une histoires qui se sont passées sur notre grande rivière, la Kitchissippie. Il aime toujours nous raconter son histoire préférée, celle d'un grand explorateur qui adorait lui aussi dessiner. C'est l'histoire d'un homme de France qui, voilà 400 ans, a semé ici un rêve immense. Et depuis, notre belle langue française résonne dans des milliers et des milliers de foyers de la région qui abritent des familles de toutes les origines, comme la mienne. En plus de ça, des millions de gens parlent français partout en Amérique grâce à son influence. Ce grand visionnaire dont on ne connaît même pas le vrai visage, c'est Samuel de Champlain. On dit que Champlain était un explorateur déterminé, un jardinier passionné,
un cartographe doué, un diplomate habile, un capitaine au cœur loyal, un colonisateur entêté, un mari et un père adoptif aimant, un soldat fidèle, un écrivain passionné et un artiste qui aimait redessiner le monde. Mais qui est donc cet homme que plusieurs considèrent comme le plus grand fondateur du Canada? Personne ne sait vraiment à qui il pouvait ressembler. Mon grand-père m'a appris que le portrait de Champlain que nous connaissons a été inventé. C'est peut-être mieux comme ça. On peut toutes et tous l'imaginer comme bon nous semble. Voici son histoire. Et la nôtre! Notre histoire commence à Brouage, en France. C'est là que le petit Samuel grandit, bercé par les flots de l'océan. Ce gamin est fasciné par les récits des marins qui parlent des merveilles et des richesses du Nouveau Monde. Samuel, c'est le fils du capitaine Antoine Champlain, et comme son père, il a soif d'aventure. La nuit, il rêve de traverser la Grande Bleue, d'explorer le nouveau continent et de rencontrer tous les peuples indigènes qui habitent au-delà de l'océan. Le jour, les yeux bien ouverts, il en rêve encore plus fort. Devenu jeune homme, Samuel a connu l'horreur du champ de bataille. Il s'est fait soldat dans l'armée de son bon roi Henri IV. Il a vécu au front les ravages des guerres de religion. Son service dans l'armée terminé, Samuel décide d'aller rejoindre son oncle, un capitaine qui vend les services de son navire aux Espagnols. Il a hâte de monter avec lui sur son vaisseau et de se rendre jusqu'aux Antilles. Samuel verra enfin le Nouveau Monde. C'est en Guadeloupe que Samuel rencontre pour la première fois des indigènes. Il découvre aux Antilles un univers fascinant, tout à fait différent de celui de l'Europe. Il admire une nature généreuse qui déborde de fruits inconnus. Il trouve plein d'arbres et de plantes exotiques, ainsi que des oiseaux aux couleurs resplendissantes. Il est séduit par ses odeurs, ses sons qu'il n'a jamais entendus auparavant. Samuel prend plaisir également à observer toutes sortes d'animaux qu'il n'aurait jamais même osé imaginer dans ses rêves les plus fous. Il y a même certaines créatures monstrueuses qui semblent sortir tout droit de l'enfer. Notre jeune curieux noircit son journal de notes et de dessins pour tenter de capter l'esprit de ce nouveau monde. Dans la jungle, Champlain découvre aussi d'anciennes cités oubliées et qui servaient autrefois de lieux de culte et de carrefours commerciaux. Certaines ont des temples aussi impressionnants que les pyramides d'Égypte, dont il a certainement vu les gravures. Mais ce qui étonne, c'est que ces cités ont été abandonnées ou encore pillées et détruites par les envahisseurs espagnols. Samuel a la chance de visiter Mexico, dont il admire l'organisation de la ville. Et là où l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud se touchent presque du bout des doigts, Champlain admire la fameuse mer Vermeille, l'océan Pacifique. Visionnaire, il suggère aux autorités la construction d'un canal. Plus de 300 ans plus tard, on inaugure ce canal à Panama. Mais pendant son voyage de 2 ans aux Antilles et au golfe du Mexique, Samuel a compris l'effet dévastateur de l'exploitation sur un peuple. Il a constaté avec horreur les mauvais traitements que les conquistadors espagnols faisaient subir aux indigènes depuis plus de 100 ans. Ceux-ci ne cherchaient qu'à se défendre. Samuel se dit bouleversé, dégoûté et désemparé par cette guerre, les pendaisons, les fusillades, les tortures et autres atrocités. Mon père, lui aussi, a connu la violence de la guerre quand il était jeune homme en Afrique. C'est pour ça que ça en est venu vivre ici au Canada, pour essayer de s'y créer une nouvelle vie. Au même âge que mon père avait lorsqu'il a vécu ce choc, Samuel est bouleversé. Il commence à rêver d'un monde nouveau, d'un paradis en Amérique où régnerait la tolérance, le pardon, une amitié fidèle et sincère avec les Autochtones, ainsi que la confiance en la nature humaine, aux gens vrais. Champlain explore aussi la Floride, et c'est là qu'il rêve de bâtir un beau pays tout neuf,
la Nouvelle-France. Or, il était loin de se douter que c'est la mode au chapeau en feutre de castor qui allait changer le cours de son histoire personnelle et la nôtre. Notre Nouvelle-France ne sera pas fondée dans le sable chaud au pays des oranges, mais plutôt ici même, pour faire la traite des fourrures, au pays de la neige, de la glace et des queues de castor. En 1603, Samuel de Champlain explore le fleuve Saint-Laurent en compagnie de son mentor, le capitaine François Pontgravier. C'est lors de ce voyage que Samuel rencontre pour la première fois mon peuple Kitchissipi-Anishinaabe, les Algonquins de la Grande Rivière. Mes ancêtres s'étaient rendus chez le chef Anadabijou à Tadoussac pour célébrer, avec nos amis Innu et Malécite, une victoire contre leur ennemi commun, les Iroquois. Anadabijou, je l'imagine comme mon Mouchoum Gilles, un homme au grand cœur et toujours souriant. Lors de cette fête, les explorateurs français rencontrent notre grand sagamo, Tessouat. Pendant que des Kitchissipi Anishinaabe dansent autour du feu, Champlain les observe et demande à un Malécite quel est leur nom. Le Malécite lui répond « Algonquin et la Komwik », ce qui veut dire « les danseurs ». Ce sont nos alliés. Croyant que c'était leur nom, Champlain surnommera mes ancêtres par erreur les Algonquins ou les Algonquins. Or, ils étaient bien des Anishinaabe, comme moi. Par la suite, mes ancêtres remonteront le fleuve en guidant leurs visiteurs français jusqu'au rapide près du Mont-Royal qui deviendra Montréal. En dessinant une carte, il dévoile à Champlain l'immensité de la Kitchissipi, la rivière des Outaouais et nos peuples qui y habitent. Je vois souvent dans mes rêves une de mes ancêtres Anishinaabe qui vivait ici dans un wigwam juste avant l'arrivée de Champlain. Champlain écrira dans son journal qu'il trouve mon peuple sensible, intelligent, curieux, gai et travailleur. Pas surprenant! Après tout, nous sommes de vraies personnes, des Anishinaabe. Mes ancêtres avaient expliqué à Champlain que la Kitchissipi mène à des grands lacs, à des mines de cuivre et aussi à une fameuse mer du Nord à l'eau salée. Ils font allusion à ce qui va devenir la baie du Tson. À partir du moment où ils se sont rencontrés à Tadoussac, mes ancêtres ont ainsi créé une grande alliance avec les Français et leur ont donné la permission de revenir s'installer dans ces terres, de partager l'endroit où on habite sur le dos de la grande tortue, l'Amérique. Oh! À partir de 1604, c'est dans les maritimes que Samuel de Champlain, alors cartographe pour le roi, participe avec le sieur Dugas Demont à bâtir la première colonie française au pays, l'Acadie. Pépère Bernard est toujours fier de répéter, depuis que je suis tout petit, qu'avant de bâtir la belle ville de Québec, nos ancêtres français ont fondé l'Acadie. Les Français s'établissent tout d'abord à l'île de Sainte-Croix, où ils passent un hiver épouvantable. Les vivres manquent, ils sont prisonniers par les glaces. La moitié des colons meurent du terrible scorbut. L'été suivant, les Français construisent l'habitation de Port-Royal dans l'actuelle Nouvelle-Écosse. On s'organise mieux. En compagnie du poète Lescarbot, Samuel commence à dessiner son paradis terrestre tant rêvé. Il se lie d'amitié avec les Autochtones, jardine la terre, assiste à la première pièce de théâtre et pour braver les hivers et le scorbut mortel, il fonde l'Ordre du Bon Temps. Ses premiers carnavals canadiens français pur laine réunissaient des colonisateurs français comme Pontgravier, des gardes suisses et des chefs Micmac tels Membertou. En Acadie, on retrouve aussi des Noirs, tels le célèbre Mathieu da Costa, un interprète d'origine portugaise et africaine. Mon père m'a dit qu'il imaginait Mathieu da Costa comme moi,
un fier héritier de différentes cultures, puis un gars qui adore faire la fête. Mon père m'a appris qu'il y a toujours eu des colons venus de l'Afrique depuis au moins 400 ans, ici au Canada. Plusieurs personnages noirs vont marquer l'histoire de la Nouvelle-France dès ses tout débuts. Par exemple, le petit Olivier Lejeune grandira parmi la première famille canadienne-française à Québec. À bon entendeur, salut! Tout allait pour le mieux à Port-Royal, mais voilà que le roi de France décide pour l'instant d'abandonner ce projet de colonie en Acadie. C'est le retour en France. Le sieur de Mont, que Pépère Bernard admire particulièrement, était le premier à rêver de fonder une Nouvelle-France. Or, de Mont est devenu malade et épuisé. C'est donc Samuel de Champlain qui prend la relève. Moi, j'ai quitté mère et patrie pour me rendre ici, pour trouver une gloire et fortune dans ce nouveau pays. Ce nouveau pays. Sur le nom de Dieu, j'ai défié la robe bleue. Champlain revient au pays en 1608 avec son ami Pontgravé à bord d'un célèbre navire, le Don de Dieu. Champlain devient maintenant le principal porte-étendard fleur-d'Élysée et rêve d'un grand avenir pour la francophonie en Amérique. Il se rend au Cap-Diamant pour fonder ce qui deviendra le tremplin de toute l'histoire française en Amérique, la magnifique ville de Québec. Visionnaire, Samuel s'imagine une grande cité qui deviendra un port ouvert sur le monde et qui accueillera de nombreux explorateurs qui partageront sa passion des voyages. Il aurait souhaité nommer cette ville Ludovica, en l'honneur du roi Louis, mais il adopte plutôt le nom de Québec, puisque c'est ainsi que mes ancêtres Anishinaabés surnommaient l'endroit. Champlain voit en Québec un carrefour d'artistes qui, comme lui, tentent de redessiner le monde. Il y voit une citadelle qui sera le rempart de la langue française au Nouveau Monde. Ce grand rêveur imagine aussi des milliers de gens venant fêter la chaleur de cette Nouvelle-France qui l'habite. Champlain y bâtira le château Saint-Louis. Et non pas sans misère, c'est à partir de la colonie de Québec que son rêve d'une Nouvelle-France prendra racine au cours des prochaines générations. Surtout avec l'arrivée des fameuses filles du roi. À partir de 1663, ces jeunes femmes courageuses viendront prendre mari et pays. Elles donneront naissance à de grandes familles canadiennes-françaises. Parmi ces jeunes mères, on en retrouvera même qui sont d'origine allemande, hollandaise et brésilienne. Ce sont les filles du roi qui unifieront notre belle langue française ici, au Canada. Oh, toi, Nouvelle-France! Ma Kukumanae m'a conté que si, au fil des ans, mon peuple Anishinaabe a fait confiance aux Français, c'est que nos ancêtres voyaient en Champlain un homme courageux ainsi qu'un homme de parole. En 1609, Champlain tient une promesse qu'il avait faite à ses amis Kichisipi Anishinaabe, les Algonquins et ses amis Innus, les Montagnais, alors qu'il les avait rencontrés pour la première fois à Tadoussac. Il vient les appuyer avec les Hurons-Wendat dans leur guerre contre les Haudenosaunee. C'est le vrai nom des Iroquois. Haudenosaunee signifie « le peuple des maisons longues ». Champlain et ses alliés se rendent au pays des Haudenosaunee qui habitent tout le territoire au sud du lac Ontario. Champlain y trouve un lac tellement beau qu'il lui donne son nom. C'est le lac Champlain qu'on retrouve aux États-Unis. Au matin, c'est la bataille. Les Iroquois, qui sont les meilleurs guerriers de l'époque, accourent par centaines. Champlain sort du groupe vêtu de son armure étincelante. Pour les Iroquois, c'est comme si un extraterrestre venait d'apparaître. D'un seul coup d'arquebuse, Champlain abat trois chefs et les Iroquois s'enfuient terrifiés. Pour les Iroquois, Champlain devient alors l'ennemi le plus redoutable, terrifiant et aussi puissant qu'un dieu.
C'est un homme de fer, armé d'un bâton du tonnerre. Quel dommage! Cette guerre-là, c'est Champlain lui-même qui va faire de l'amener aux côtés de ses alliés. Champlain n'avait même jamais vu les Iroquois, puis ceux-ci n'avaient jamais rien fait aux Français. Mais les Iroquois étaient les ennemis des ennemis autochtones de Champlain. Ce qui étonne, c'est que les Hurons-Wendat sont eux aussi des Iroquois qui, à cause de vieilles chicanes avec leurs frères de sang, s'étaient installés près d'un lac plus au nord, le lac des Hurons. Mon grand-père Yves a lu dans les livres d'histoire que si Champlain avait offert cette aide à ses amis autochtones dans cette guerre, c'était pour obtenir le droit d'explorer leur territoire. Mais en lisant le journal de Champlain, on comprend aussi qu'il souhaitait imposer la paix entre mes ancêtres autochtones. Champlain connaissait sans doute le proverbe latin « Si vis pacem, para bellum », ce qui signifie « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Mais quand même, ça n'a pas dû être évident pour l'artiste qui était Samuel, lui qui rêvait de créer un nouveau monde, un paradis sans violence. Que s'est-il passé dans la tête de Champlain pour que le soldat en lui prenne le dessus? Comme l'a conté ma coco Manae, auparavant, entre autochtones, c'était de la petite guerre, des combats corps à corps. Mais maintenant, avec son bâton du tonnerre, Champlain vient de changer les règles du jeu et de provoquer la rage chez les Iroquois. En effet, les conflits et les attaques se multiplieront pendant presque 100 ans. Heureusement, en 1701, guidé par la plume de l'aigle, on signera enfin le traité de la Grande Paix entre toutes les nations. À la fin de l'été 1609, suite à cette fameuse bataille, Champlain retourne en France. Il souhaite que dès le printemps suivant, mes ancêtres sauront respecter leurs promesses à leur tour, c'est-à-dire l'amener explorer le pays d'en haut, ce territoire au-delà des rapides de la Chine, où il pourra enfin remonter notre grande rivière Kichisipi. Au printemps 1610, Champlain est revenu au pays pour continuer à bâtir Québec et il se rend à l'embouchure du Richelieu pour appuyer ses alliés autochtones dans leur guerre contre les Iroquois. Cette fois-ci, il est blessé. Il a reçu une flèche dans l'oreille et le cou. Il se l'est enlevé lui-même. Champlain est fatigué et désabusé de la guerre. En plus, il doit retourner en France pour tenter de convaincre, encore une fois, l'administration du nouveau roi, le jeune Louis XIII, de l'aider avec son projet de coloniser cette fameuse Nouvelle-France. Mais avant de quitter pour la France, Champlain a confié une mission à Étienne Brûlé, un jeune Français qu'il surnommait « Mon garçon ». Étienne s'en est allé vivre en éclaireur parmi mes ancêtres Kichisipi Anishinaabe pour découvrir la route des rivières et leurs coutumes, et pour tisser avec eux de profonds liens d'amitié. C'est Iroquet, le chef des Algonquins Onondchataronon, qui a pris Étienne sous son aile alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Rendu en France, Samuel est songeur. Il doit épouser Hélène Boulay, la jeune fille d'un dignitaire à la cour du roi. En épousant Hélène, il pourra recevoir une dot, c'est-à-dire un montant d'argent et de l'aide du roi pour financer ses expéditions. Mais Samuel sait fort bien que la jeune promise n'a pas eu un mot à dire sur ce mariage qui était imposé par ses parents. Or, Hélène est forte de caractère. Il peut même s'attendre au pire. Le père Bernard m'a aussi conté que, comme gage d'amitié aux Autochtones, Champlain avait ramené avec lui un Huron nommé Savignon pour visiter la France. Il ira même visiter le palais du roi. Savignon, qui n'a jamais vu des chevaux, sera très impressionné par le carrosse en or tiré par des orignaux sans panache. Pendant ce temps-là, Étienne a passé l'été dans les wigwams de la famille d'Iroquet sur la rivière Nation, quelque part entre Plantagenet et Castleman. Puis, il est parti vivre pour le reste de sa vie dans les maisons longues de nos frères Wendat au grand lac des Hurons dans la région de Penetanguishene. Je nous imagine, ma coucou Manae et moi à cette époque. Animés par leur sagesse, nos grands-mères Algonquines et Huron ont chaleureusement accueilli Étienne comme leur propre fils.
Étienne Brûlé est devenu le premier Européen à visiter les Grands Lacs et aussi, sans le savoir, le premier Franco-Ontarien. L'année suivante, deux autres Français viendront hiverner avec nos ancêtres sur la Kitchissippi. Le jeune Thomas Godefroy cabanera chez Iroquet et c'est nul autre que le grand Sagamo Tessouat qui accueillera Nicolas de Vignon à l'île aux Allumettes, près de Pembroke. Pour les Français, Étienne Brûlé peut incarner l'homme du lys fier, venu de France et qui prend racine au pays. Pour les Anishinaabés, son esprit ouvert à notre culture fait battre dans son cœur l'esprit du tri. Cette fleur d'ici qui, comme nous, a toujours grandi en harmonie avec Mère la Terre au cœur de nos forêts. Pendant que le grand explorateur est en France pour voir ses affaires, c'est Étienne, son garçon adoptif, qui commence à réaliser son grand rêve. Un jour, Samuel de Champlain viendra visiter la grande région de la Kitchissippi et le pays d'en haut. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Alors qu'on rêve d'une nouvelle France, lui grandit parmi les Hurons. Owendake, c'est l'espérance, maladie, conflits et passions. Étienne, au fort de sa jeunesse, crée un nouveau monde malgré lui. Célébrons dans toute son ivresse notre printemps en Huronie. L'esprit du tri bat dans nos veines et l'âme du lys habite nos cœurs. Depuis 400 hivers à peine brille l'été de toute notre chaleur, de toute notre chaleur. Des grands lacs, les arbres tombent, poussent, chants bien forts et colonies. Même quand le ciel rougit et gronde, on s'accroche au rythme de la vie.